Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo particulière. J'ai été contactée par Lisa de la société e Broderie Diamant pour un partenariat qui n'a rien à voir avec le diamant painting ni tout ce qui va être loisirs créatifs fait main. Voilà. En regardant donc son mail, je me suis posé la question si c'était pas une arnaque ou pas. On a regardé avec mon mari et c'était pas une arnaque, donc j'ai dit bah pourquoi pas vous y présenter, parce que je pense qu'il y a des mamans et des papas qui regardent mes vidéos et que ça pourrait être intéressant pour eux. Que dire? J'ai été contactée le 19 juillet par Lisa. J'ai dû le valider le lendemain. Ou le jour même. Non, le jour même. J'ai reçu un message le lendemain, je crois. Donc le 19 où Lisa m'a envoyé un mail en me disant que c'était Lisa, qu'elle allait me présenter un nouveau produit. Voilà. Ensuite, je lui ai renvoyé un message en lui disant qu'effectivement c'était hors de mon domaine de diamant painting, mais que je voulais bien. Donc ça c'était le 19. Le 19, donc elle me confirmait mon adresse. Le 21, je recevais un message avec le numéro de suivi. Donc, je suis en train de regarder l'agenda. Je suis perdue ce matin. Donc, voilà. Et donc, du coup, le 21, il est parti. Et le colis est arrivé le 22 chez moi. Or, le 22 chez moi, je n'étais pas chez moi quand ma factrice est passée. J'étais à mon bilan de compétences, voilà. Donc ils m'ont laissé un petit papier comme quoi il fallait repasser à la poste récupérer un colis. Donc je suis allée vendredi dernier, donc ça fait une semaine. Et j'ai découvert un carton un peu destroy comme ça. Voilà. Vous voyez, il a été renforcé par la plateforme de la poste. Voilà. À plusieurs endroits. Voilà. Et on a un petit autocollant ici. Hop là, comme quoi la poste l'a reconditionné. Alors en plus, il est particulier parce que quand je suis arrivée à la poste, j'y suis allée sur les coups des 9h30 et la guichetière que je connais bien me dit j'ai un problème, je n'ai pas eu votre colis. Voilà. Donc elle me dit j'ai appelé le centre de tri qui se trouve à 5 km et ils ne l'ont pas non plus. Donc je prends vos coordonnées, je vous rappelle. Donc je fais ok, bon, pas de souci. Peut-être une bonne heure après, elle me rappelle, elle me dit c'est bon, il était dans un autre bureau de poste. Voilà. Mais donc je dis j'arrive tout de suite. Donc je suis allée le chercher et effectivement, quand j'ai vu le colis. J'ai pris des photos tout de suite que j'ai envoyées à Lisa en lui signalant que le colis quand même voilà. On l'a ouvert donc vite fait. Je vais vous faire voir le contenu après et vous expliquer ce que c'est. Donc je l'ai ouvert à la poste et je sais plus ce que j'allais vous dire. Voilà. Si, c'est Amazon, Amazon Prime qui livre, donc c'est pour ça qu'au niveau de la livraison, c'est très rapide. Voilà. Il faut compter en moyenne 2 à 4 jours pour la livraison. Donc, même si vous n'êtes pas abonné sur Amazon Prime, vous recevrez le colis assez rapidement comme ceci, hein. Voilà. Donc, j'ai ouvert le colis. Donc là, je vous ai enlevé mon adresse. Hop. Donc voilà, donc le carton vraiment tout détruit. Hein. Là sur les côtés, c'est pas moi qui l'ai ouvert. Hein. Voilà. Donc il y avait juste un petit bout de papier comme ceci. Voilà. Et donc on se retrouve avec un skate. Donc me revoilà. Désolée, mon mari qui m'appelle au moment de la vidéo.
Donc, c'est pas grave. Donc, du coup, un skate. Voilà. J'en ai fait quand j'avais quelques années, hein. Voilà. Donc, ce skate. Alors, attendez, je prends ma petite fiche technique parce que du coup, voilà. Le skate, il fait 1,6 kg en poids. Voilà. Donc, désolé pour les bruits. Du coup, vous aurez le coup de téléphone hein, de mon mari, hein, j'en suis navrée, mais voilà, ça fait déjà plusieurs fois que je fais la vidéo. Donc, il fait 1,6 kg. On a un petit autocollant ici. Voilà, qui me dit comme quoi faut pas s'amuser dans les escaliers. Voilà. Donc, il a 4 roulettes, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est un skate à LED. Voilà. Vous allez pouvoir régler ici les roues. Alors, moi, comme le colis a été éventré, abîmé, je n'ai pas le petit jeu d'outils de réglage. Voilà. Je l'ai signalé tout de suite à Lisa quand j'ai vu des copines youtubeuses faire leur vidéo. Pour lui signaler, elle m'a dit que c'était pas grave, que c'était juste un outil de réglage pour les roues. Ok, bon, alors, moi je n'ai pas payé le skate, certes. Donc voilà, le skate il va aller chez mes voisins d'à côté qui ont des petits enfants qui viennent. Donc voilà, je vais leur donner. Quelqu'un qui paye un skate, j'espère que leur service leur envoie la pièce qui manque. Voilà, c'est quand même un élément, je pense, important pour régler les trucs. Alors après, je pense qu'en regardant dans les clés BTR de mon mari et tout ce qui s'ensuit, on doit trouver de quoi régler, hein, je pense. Hein. Donc voilà, c'est un produit qui vient de Chine. Si vous avez écrit Made in China ici. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir ou pas. Non, avec le reflet. C'est un produit de Chine. La livraison, je vous en ai parlé. Le poids d'un adulte maximum, c'est 100 kg. Voilà. Donc moi, je peux y monter, hein, y a pas de souci. Sauf que bah, mon mari, non, parce qu'il fait un tout petit peu plus. Donc normalement, il est à LED. Et je ne vois pas de lumière. Ouais. Je ne vois pas de lumière. Alors, est-ce que si... Alors, le chat squatte déjà le carton. Ouais. Non, on ne voit pas de LED. Après, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a un réglage à faire? Mais bon... J'ai pas la clé pour le réglage, donc je peux pas vous le dire. Voilà, sa taille, il fait 56, 15, 10. Voilà. Donc, il est livré avec ce petit jeu d'outils hein, que j'ai pas reçu. Vous n'avez pas de frais de port, pas de frais de dédouanement, pas de... Voilà. On va faire ensemble après une petite simulation pour vous faire voir comment ça se passe sur leur site. Alors moi je l'ai pris en rouge. Attendez, je vais rallumer la lumière. Voilà. Je l'ai pris en rouge parce que j'ai dit comme ça c'est unisexe. Comme je sais que mes voisins ils ont petits garçons et petites filles. Voilà. Au départ j'allais dire mon mari soit on le donne à mes voisins, soit je le mets sur le vide-grenier. Comme on fait les vide-greniers et puis bah du coup comme mes voisins nous rendent service, on se rend service mutuellement. Voilà, je sais qu'ils en ont un ou deux pour les petits enfants et des fois que c'est un peu la guerre. Donc du coup ça va partir à côté. Voilà. Lisa m'a donné un code promotion de 10% que vous allez retrouver dans la description. Je ne gagne rien en vous présentant ce produit. Je ne gagne rien si vous passez par le code de promotion. Voilà. Je veux que ça soit clair pour vous. Je n'ai aucun avantage de que vous passez, vous prenez le bon les 10% de remise. J'ai aucun avantage. Voilà.
Donc voilà, et du coup le prix de ce skate est à 29,99€. Donc vous avez différentes couleurs, vous avez du noir, du rose, du bleu, du vert. Alors il y a beaucoup beaucoup de ruptures de stock. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en pause et je vais vous reprendre via le site. Comme ça, on fera une petite simulation du site pour vous en parler. Donc moi, je ne peux pas vous faire de démonstration. Voilà. Moi, je suis juste embêtée parce que les lumières ne marchent pas. Donc, voilà. Si j'arrive à faire marcher les lumières, je vous mettrai un petit petite bulle. Les lumières marchent. Voilà. Après, il me paraît bien stable. Hein. Alors, je me rappelais pas qu'il bougeait comme ça de droite à gauche. Le skate. Ça a bien. Ça a l'air de bien tout tenir. Hein. Après, voilà. Je. Hein, voilà. Je vous dis, ça fait des années que je suis pas montée sur un skate et je vous y montrerai pas parce que j'ai tellement peur de me casser la margoulette. Voilà, voilà. Allez, et bah à tout de suite. Donc nous revoilà. Donc nous sommes sur le leur site internet. Alors je l'ai pas mis, je crois, en français. Voilà. Donc du coup bah, ils font plusieurs choses hein. Ils font donc les planches à roulettes comme ceci, donc vous voyez, moi j'ai pris, j'avais choisi celui-là, donc normalement il a bien le petit kit hein, de, d'outillage hein, et il est bien censé s'allumer. Là moi j'y arrive pas, donc je ne sais pas quoi vous dire, quoi, voilà. Je ne suis pas une connaisseuse, donc ça va être compliqué pour moi pour vous expliquer, mais bon voilà. Donc donc vous allez pouvoir payer par PayPal. Je pense qu'il y a là il marque plus d'autres moyens de paiement, donc je pense que vous avez d'autres moyens de paiement. Voilà. Ensuite, eh ben, il vous explique un petit peu donc la qualité, comment est assemblé le skate. Hein. Voilà, donc il vous donne des normes un petit peu. Donc moi, hélas, vous allez m'entendre encore leur dire plusieurs fois, je pense, mais je n'y connais rien. C'est une planche à roulettes pour débutants, ils nous le disent ici. Voilà, pour ados, enfants ou adultes. Voilà, et après, donc, il vous donne le contenu. Alors, est-ce que je peux essayer de vous y agrandir un tout petit peu? Voilà. Donc, il vous donne un petit peu les caractéristiques que je vous ai données tout à l'heure. Voilà, et donc il marque bien qu'il y a un jeu d'outils. Donc voilà, moi je ne vais pas faire de demande pour l'avoir. Hein. C'est pas mon intérêt parce que voilà, c'est quelque chose que j'ai eu en cadeau. Maintenant, je l'aurais payé. Oui, effectivement, j'aurais demandé d'avoir la pièce, hein, ça c'est sûr. Voilà. Et au niveau des avis, hein, hop là, voyez, ils sont à 95%. 94% de personnes qui sont satisfaites du produit. Voilà. Donc il y a 16 répondants, certes. Voilà. Donc 15 qui mettent 5 étoiles. Voilà. Donc moi je vous mettrai le lien du site. Hein, vous irez voir les résultats, les retours. Hein. Voilà. Donc bon, après moi les avis, c'est pas ce qui m'intéresse le plus à vous faire voir. Hop. Non, c'est par là. Donc voilà, ils font alors après des skateboards complets, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Est-ce qu'ils sont peut-être plus larges ceux-là? Ouais, ils doivent être un tout petit peu plus larges. Ils sont un petit peu plus chers à 39,99€. Donc pareil, vous avez différents modèles hein, de couleurs. De motifs également. Voilà. Ils font des trottinettes enfants également. Voilà, pareil, différentes couleurs. Elles sont à LED. Ça va de 3 à 12 ans pour les trottinettes. Voilà. Et là, on est à 49,99€. Donc en plus, elles sont pliables, hein, les trottinettes. Donc,
Hop, en retournant mon panier que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Donc là, on se retrouve sur mon panier. Désolée, j'espère que je ne vous donne pas le mal de mer. Voilà. Donc, procéder au paiement. Donc, moi, je ne vais pas aller plus loin après. Je vais juste vous faire voir comme quoi les frais d'expédition sont bien gratuits. Voilà. Hein, vous l'avez marqué ici. Et quand vous regardez le total ici, on est bien sur quelque chose de gratuit. Voilà. Bon, bah voilà. Donc, pour récapituler, vous allez avoir un bon, une remise de 10% sur l'achat du skate en passant par le code promo. Le lien dans les... le lien pour aller directement sur leur site, directement dans la barre de description. Désolée, je ne fais pas de test. Voilà. J'espère que j'étais plus ou moins claire sur les renseignements, sur ce que je pouvais vous donner comme caractéristiques sur le skate. Voilà. Donc, bah, merci Lisa quand même d'avoir pensé à moi. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeuses avec qui tu as demandé. Bah, écoute, merci. C'est un exercice pas facile à faire, hein, mais voilà, je relève le défi de bon cœur. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.